Bonjour les amis, on est à Alger ici. On est à Alger. On va visiter la Casbah avec Andy. C'est juste le métro. On est sorti du métro ici. Là. Casbah, dans les rues de la Casbah là. Restaurant d'Al Sultan. Ça, c'est les produits artisanaux, faits à la main, représentent la culture algérienne et le savoir-faire. On va faire repasser. Il y a un petit restaurant, là, un petit thé. Ah, salam alaikum. Salam. Alors c'est quoi cette petite boutique là, on va dire artisanale? C'est une boutique de souvenirs. Là, vous êtes... À la Casbah. Ici à la Casbah, la basse Casbah. La basse de Casbah. La basse Casbah, c'est la basse Casbah parce que quelle est la Casbah et la basse. Ouais. Près de Jamak Chawa, dans la bouche juste de à côté, oui. Oui. On dirait les souvenirs, t'as l'Algérie en général ou t'as la Casbah en particulier. Oui. Particulier, voilà, ouais. Exactement. On trouve à les artisans, tout ce qui est. Fait à la main. Ce qui, oui, la c'est pas produit chinois ou là. Non, non, ouais, la ouais. Plupart des produits, t'as un gars. Fait à la main. Ouais. Fait à la main. Et des artisans algériens, algériens et algérois. Même qu'il y a d'autres wilayas, qu'il y a Gherdaya, qu'il y a Ouahara. Oui, on travaille. Regarde les gens, ils ont un savoir-faire. Voilà, exactement. On représente leur travail ici. Ouais. On mettait en valeur leur travail. Ouais. Exactement. Voilà. Qu'on ne le voit pas dans les magasins, qu'on ne le voit pas dans les. Voilà, exactement. Les mains d'hommes, c'est l'occasion. Ils viennent prendre des souvenirs. Tu as Alger, tu as l'Algérie en général. Même qu'il y a des travaux, des femmes au foyer. Ah oui, qui. Oui. Oh, c'est le petit tapis là. Oui. C'est des femmes au foyer qui font oui. Ça. Oui. C'est un travail. À la main. Oui. Ça, ça peut prendre 3 mois, 4 mois pour faire un tapis. À peu près, oui. Ouais, c'est de la laine ça. Oui, c'est de la pure laine. Pure laine. Après, ici, vous les vendez quoi. Oui. Franchement,
C'est encourageant. Merci. Encourageant. Ousmane, tu t'appelles comment? Hamada. Hamada. Oui. Hamada, Inch'Allah. Il est sur la base de Casbah. La base Casbah. La boutique, elle s'appelle comment? Dar al-Fen. Dar al-Fen. Maison du culture. Art House, voilà. Art House, c'est la carte de visite. Ouais. Donc ça, les gens, s'ils veulent visiter, ils veulent visiter, ils passent chez lui. Voilà. Il a des belles choses, quoi. Voilà. Fait à la main. Oui. Tfadal. Tiens. Le site, le numéro de téléphone, l'adresse, tout. Exact. Bon courage. Merci, Arpéa. À vous. Ouais. Merci. Fèche, merci. Le tamis. C'est le palais de Mustapha Bacha. On est rentré à l'intérieur pour vous filmer. Ça, c'est l'intérieur du palais. Ouais, des cadres. Still stand to this day. Among my works are the reconstruction of the Sidi Ben Barka Mosque and its minar, the Zawiya in El Khal, the gunpowder factory, and the group of fountains. I also built the palace adjacent to the Barka Palace, the house in the Sanjar neighborhood, the wooden house, and many other structures. And not to forget the current house next to Hassan Pasha's palace in the Kechami Mosque, Mustafa Pasha's house. Located in the lower Casbah, which I completed in 1799. Its area is approximately 726 square meters, built with exquisite materials such as marble, wood, and stained glass, converted from Italy, Tunisia, Andalusia, the Netherlands, and Turkey. My house was intended for my wife and children, accompanied by a group of servants. I used to visit them once a week due to the rule of the government. On voit toute l'histoire du palais de Mustapha Bacha. On va monter au deuxième étage. Thank you.
Ahmed Khodja abourdit un complot contre moi avec un groupe de soldats janissaires. Ils se sont rassemblés devant mon palais et ont convenu avec les gardes de ne pas s'y opposer. Ils m'ont envoyé un messager pour m'informer que mon règne était terminé et qu'un nouveau pacha avait été nommé à ma place. Si je voulais me sauver, je devais me rendre à une mosquée voisine pour me cacher. En attendant la nouvelle, j'ai rapidement fui avec le trésorier du palais jusqu'au sanctuaire le plus proche, celui de Sidi Dada al-Ajami, pour trouver ses portes fermées. Je me suis ensuite dirigé vers l'allée du four à pain de Znaki, où les soldats m'ont rattrapé et m'ont tué, ainsi que le trésorier, entre la mosquée Ketchawi et Bab el-Hammam, laissant derrière moi ma famille, ma femme Aïcha, mes fils Ibrahim et Muhammad, et ma jeune fille Aïcha. J'étais connu pour mon amour des projets de construction, ayant érigé plusieurs structures religieuses, civiles, militaires et publiques. Certaines ont disparu, tandis que d'autres subsistent encore aujourd'hui. Parmi mes travaux figure la reconstruction de la mosquée Sidi Ben Barka et de son minaret, la Zawiya à El Kala, l'usine de poudre à canon et un groupe de fontaines.
J'ai également construit le palais adjacent au palais du Bardo, la maison du quartier Saint-Eugène, la maison de la Laine et bien d'autres structures. Sans oublier la maison actuelle à côté du palais de Hassan Pacha et la mosquée Ketchaoui, maison de Mustafa Pacha, située dans la basse Kasbah, que j'ai achevée en 1799. Sa superficie est d'environ 726 mètres carrés, construite avec des matériaux exquis tels que le marbre, le bois et le verre teinté importé et de Turquie. Ma maison était destinée à ma femme et à mes enfants, accompagnés d'un groupe de domestiques. Je leur rendais visite une fois par semaine en raison de la loi du Pacha. Ma maison a été le témoin de nombreux événements après ma mort jusqu'à aujourd'hui. Ibrahim Aga, le gendre du gouverneur Hassan Pacha, l'a saisi en 1828. En 1830, les forces françaises l'ont occupé. En 1834, mon fils Ibrahim l'a récupéré. En 1868, elle est devenue une bibliothèque et un musée sous l'autorité française. En 2007, elle est devenue le siège du Musée national des arts décoratifs et de la calligraphie, contenant de nombreux trésors artistiques liés à la décoration, à la calligraphie et à l'ornementation. Le musée organise également diverses activités culturelles et éducatives pour tous les segments de la société. Bienvenue dans ma maison, le Musée des arts décoratifs, de la calligraphie et de l'ornementation. I am Mustafa Pasha, son of Ibrahim al-Amri, born in Anatolia. De 1798 en 1799. C'est l'histoire du palais. Mustafa Pacha. Ah, ça c'est chez Kirimou, petite boutique là, tranquille. Inch'Allah. Ça c'est bougie. Je viens de voir Babrouad, hey Babrouad, j'arrête à l'heure, hey, hey. Babrouad. J'arrête à l'heure, hey, hey. Quelle année a dit? C'est quelle année a dit? J'ai raté. دائما لي زاني 40 بالك دوك ستيف سيدي عبد الرحمن سيتيف صح سي دي فيو فوتو حبك انت سيدي عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن زين صور قول له كانوا بالشاش ماشي بالريفري وتشونغ زين صور اسطنبولي ولا
قروابيل شونتور دو شان دو مرزاوي. حاجه ما زعش منها شو؟ ما زعش.